I can't remember what happened last night. All I can remember is a song that goes like this. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Xion3, aujourd'hui sur Repro pour l'épisode numéro 10 de The Evil Within. Et on commence déjà dans un lieu très très étrange, tout sombre, tout noir, tout... Non, tire pas. Bon, ce lieu m'inspire pas tellement confiance, je dois vous dire que ça fait assez peur. Ça fait assez peur dans le sens où j'ai un peu peur, vous voyez. Est-ce que si je fais un peu du bruit, les autres Michel m'entendent? Ça, là par contre ça fait peur. J'ai vachement peur du lieu là. On va prendre son temps à explorer. Parce que ça risque de pas être facile vu ce que je vois là-bas. Est-ce qu'on va se faire agresser? Ça c'est la question. Ah ça veut dire que oui. Est-ce que d'un coup de sniper on pourrait le tuer? Oh non, loupe pas tes balles, Michel. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts? Après, c'est la question. Non! Bon. Après avoir éliminé ces jeunes... Ah, j'aime quand c'est des munitions. Ça sent les embrouilles du ghetto. Alors, des munitions encore, j'en veux, et encore, et encore. Oh, tu te calmes, Denis, s'il te plaît, tu te calmes. Qu'est-ce que... What the fuck? Tu sors d'où, toi? Moi, où il a niqué à peu près toutes nos munitions. What? Comment des munitions sauvages? On n'a pas réussi. Donc, on va la jouer security, ok? Ah, comme je... Ouais, je regardais si j'avais des messages, excusez-moi. C'est pas très professionnel tout ça. Encore? Et attends, c'est quoi ce délire? Honnêtement, on va pas faire toute la mission comme ça, quoi. Si vous êtes là, vous dégagez. Bonjour. Non, mais dégagez pas comme ça, j'aime. Je pense que lui, son compte est réglé. Je pense. J'ai très très peur de la suite là. S'il y a autant de monstres que ça, ça va être la guerre et tout le long. En plus, il me donne des munitions. Ça veut dire en bruit du ghetto. Et en plus, s'il faut toucher à ça, ça sent l'embrouille encore pire. Vous savez quoi? On va se mettre une petite seringue pour la sûreté. Par contre, tu vas monter là-haut. Il n'y a rien, mais vraiment rien. Bon, bah... Par contre, la porte sinistre comme ça, là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis désolé pour le dernier épisode du... L'ombre du mandant, j'ai pas beaucoup parlé. C'était pas de ma faute. Vous avez vu la statue là quand même. Fallait la trouver, hein. Vicieux que vous êtes.
J'ai pas confiance. Absolument pas confiance. Il y a un zombie là, on est d'accord. Ça sort d'où? Ça veut m'attirer, c'est pour ça. Je comprends mieux les délires du ghetto. Par contre, les petits trucs comme ça là, s'il vous plaît, quoi. What? C'est quoi ça? Ouh! C'est passé pas loin, ce qui paraît. Pardon. Vite. Ouh, c'était limite. Récupère le matos. What? Non! J'ai niqué une munition pour des munitions. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis con. Cours, Forest. Fallu! Vous savez quoi? On va recharger plus la pompe. Et maintenant? Parce que là, vous me faites très très peur sur ce chapitre-là. Oh, l'embouchure de cette entrée-là ne m'inspire pas. Oui, mais encore. C'est moi qui bouge la caméra, hein. Par contre, c'est pas moi qui ai visé là-haut. Ça l'embrouille, ça. C'est pas la plus belle des choses qui nous arrivent, hein. On va dire ça. Ah, un petit enregistrement audio. J'écoute, hein. What? What the f... C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il y a des crapauds qui sautent. C'est... Grenada! Bah pardon, tu veux pas prendre la grenade quand ça se passe? Tu m'expliques le délire là? Je préfère. Mais lâchez-moi! Vous êtes quoi? C'est quoi votre problème? On va leur marcher dessus. C'est ce qu'on va faire, hein, la technique du marcher dessus. Balaou! Donc ça veut dire que j'ai utilisé des munitions pour rien contre ces petits monstres à la con. Des bébés, on dirait, quoi. Bon, lui, je peux pas lui marcher dessus. Est-ce qu'il y en a qui vont encore me casser les couilles? Non. Tout va mieux. Putain, vous m'inquiétez de plus en plus. Après l'homme avec la boîte sur la tête, on va falloir faire des bébés. Vous foutez de moi? Par contre, lui, il fait se calmer, quoi. Voilà. Ah, j'aime pas l'eau comme ça. On sait jamais ce qu'il y a dans l'eau, c'est ça. En plus, elle est pas très très claire, si vous voulez ce que je veux dire. Oh non, j'aime pas. À mon avis, ça doit être l'allée principale là-bas.
Et si on se baisse, est-ce que c'est possible de se baisser? On peut pas, d'accord. Si, on peut, il y a des munitions. Je suis désolé, mais il y a des munitions. J'ai peur. Attends, remonte de l'autre côté, calme-toi, Denis, calme-toi. On va repartir là-bas. Parce que je sens qu'il y a un truc ici, du coup, on va casser ça. C'est comme ça qu'on fait dans le ghetto. Je me suis dit aussi, c'est pas possible, on va pouvoir y arriver. Bon, alors là, ça va être le délire complet. Parce que je sens que ça va être les embrouilles du ghetto direct d'entrée. Par contre, la petite étape, je suis pas confiant. Voilà, vous avez entendu un gay en train de chanter. J'espère que ça vous a plu. Par contre, les tétards, ils me font assez peur parce que ils sont inoffensifs et je te tue facilement. Donc, est-ce qu'il n'y en aura pas un plus gros plus loin hein? On va se baisser et fermer la lumière. Est-ce qu'ils ont une ouïe plus fine que les autres? Non, mais je voilà, je veux dire. Ça suffit, quoi. Quoi, c'était. Laissez tranquille. Quoi, ça veut pas brûler ce genre de truc, quoi. C'est un bon barbecue, ok. On va tout écraser, on va bouger tout le temps, parce que sinon... Par contre, est-ce que j'ai pas oublié des trucs là-bas? Parce que ça peut être important. À noter que... Bon, c'est intéressant, d'accord, c'est les carottes totales. Alors, que nous attend la suite? Enfin, que nous attend la suite, bien sûr. Pour le moment, c'est un petit peu la planning, mais ça va, ça se gère. Attends, c'est quoi ça là-bas? Ah, très sinistre. J'aime beaucoup. Il va m'arriver une couille avant qu'on y arrive. Moi, je te le dis. À mon avis, il va y avoir une couille dans le ghetto. Il y a une machin pour... le fusil à pompe, mon meilleur ami de l'homme. On dit que c'est le chien, mais non, c'est le fusil à pompe. Faut pas se faire des idées comme ça. Faut que je tape. Ok, y'a rien, je suis déçu. Et là, ici, là, j'ai cru voir un truc... Non! Tu retires cette arme. T'arrêtes de me faire des frayeurs comme ça. Tu tires que sur des monstres. Là, par contre, on sort là. Non, large. Ah! L'autre de la grotte. Non, on va pas la lire. Pourquoi me prévenir du danger? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait! Contre lui on le brûle parce que je veux pas le voir. Il m'a donné un fragment. Ah non, il m'a donné l'indice de. Ah l'un c'est la mort et l'autre c'est. Oh! Eh ben non, c'était la mort. Choix crucial. Alors, ce côté. Alors, c'était. Je sais plus c'est quel côté quoi. On avait mis celui-là, il me semble. Celui-là, c'est la mort. Celui-là, c'est la vie. D'accord? C'était chaud. Cacao. Vous aurez assisté à toutes les morts dans ce jeu parce qu'avec moi.
Mais pourquoi? Pourquoi t'as tiré? Pourquoi je t'ai dit de le ranger? T'arrêtes. Ah, non, j'ai cru qu'il avait sorti l'arme quand j'allais faire. Arrête. Oh, ça c'est les embrouilles, j'aime pas. Ah bah oui, repousse. Moi. I'm not afraid, ok? Fragment de carte. Alors, pour qu'on s'est retourné, parce qu'on est des pros, ok? Pourquoi il y a des lumières rouges? Pourquoi on est en hôpital? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi on rit? Pourquoi on pleure? Dites-moi tout. Par contre, si commence à se prolonger, le couloir, ça va pas le faire, quoi. Bonjour! Je vous le dis, vous allez calmer la musique tout de suite, quoi. Bah, merci beaucoup, bah ouais, c'est évident. À mon avis, on va s'arrêter là sur la fin. Sur la fin, on va atterrir à cet endroit même, là où il y a le cerveau. Parce que je suis sûr que c'est le lieu où il va tout se passer, plein de choses, toutes conneries, tout ça. Parce que je sais que là, c'est le souci vient du mec, là. En fait, s'il veut faire l'épée poupée vaudou sur tout le monde, en fait, s'il veut tous tout contrôler, donc si on veut faire l'épée poupée vaudou, dans le sens où s'il fait mal à quelqu'un, ça fera mal aux autres, il veut tous nous relier, en fait. C'est ce que j'ai compris, moi. Ok, une bouteille, tout ça va. Voilà, on jette la bouteille parce qu'on est des délinquants, ok? Putain, c'est horrible. Pourquoi on se retrouve... What the fucking... Cours, Michel. Toujours courant mieux. Je vous l'ai appris l'autre fois. Alors? Pourquoi une porte, ça l'arrêterait alors qu'il vient de casser un mur? Pourquoi tu m'attends à la sauvegarde, toi? What? Ouh, c'est chaud, les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu en ma compagnie. On se retrouve très très bientôt pour la suite de ce chapitre qui m'a fait valser. J'en peux plus, là. Allez, ciao, ciao. N'oubliez pas l'abonnement, commentaire, j'aime. Surtout les bons abonnements. Bye bye. We'll be right back.